Magnifique. Ouais, en fait, j'ai pris la sauvegarde pour la deuxième session. Eh ben, on va pas changer. On va y aller comme ça. Non, ça serait plus marrant l'autre. Allez. Bon, non, de toute façon, le gourmet, voilà. On va faire les deux en même temps, voilà. Je suis allé faire la mission du gourmet comme ça, dans cette tenue. Franchement, c'est quoi le problème? Je ressemble pas à un cuisinier? Comme ça. Avec mon coéquipier qui est habillé de la même manière. Il était habillé en quoi pour savoir? Armure de plate plus casque de liche. Ah ouais. Ouais, et Marc Curieux aussi. lui il a un espadon d'ébonite dans le dos. Je vais repasser à une main, c'est. Parce que c'est. Ah ouais, j'ai souffle ardent comme pouvoir. Bah tiens, on va pouvoir s'en servir, c'est marrant. J'enlève cristal gide. Voilà. Et de la forge ciel. Voilà. D'ailleurs, j'ai aussi installé un mode pour qu'il y ait des fourreaux pour les espadons et les marteaux. Voilà. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus cool. Voilà. Mmh, c'est cool ça. Ah, donc là, on va aller faire le deuxième truc drôle. Hein. Enfin, drôle. Attention. Plus ou moins. Connerie en approche. Ouais. Ouais, faudra que je trouve un moyen de faire ça, de faire genre. Ou peut-être que je ferai un épisode. Peut-être que je couperai pour faire un épisode avec. Spécial bonus. Vous allez vous demander, mais en quoi ça consiste? Alors c'est très simple, vraiment très simple. Par contre, non, en fait non. Oublie. Ouais. Alors c'est affreusement simple en quoi ça va consister. Je sais pas combien de minutes ça va faire, mais bon. Au cas où, hein, donc je dis en avance. Hein. Merci d'avoir regardé cette nouvelle session de Skyrim. On se retrouve normalement samedi prochain, si on n'en fait pas une plus tôt. De nouvelles sessions, on se retrouve la semaine prochaine, samedi prochain, après-midi, comme d'habitude. Normalement, je devrais commencer à avoir. Donc merci d'avoir regardé cette session. C'était Vika, Blanc et Flo. Ouais, au revoir Flo. Merci et au revoir. Maintenant, c'est l'heure de la séquence bonus. Pétage de plan. T'es prêt Marc Curio? Bonus. Qu'est-ce que vous regardez? C'est ça, ta gueule. Maintenant c'est à ton tour. Voilà. Parce que bien sûr, sur cette partie, j'ai un bug. Je peux pas étriper les gens quand j'ai deux épées. Voire très rarement. Lui, là, il est bizarrement. On va aller comprendre pourquoi. Allez-y, toi. Oh, le macro. Qu'est-ce qui s'est pris plein dans l'épaule. Wow, dans le pied. Wow, dans l'épaule. Wow, dans le bide. Wow. D'accord. Ok. Ok, pas de soucis. Wow. D'accord, crise cardiaque encore. C'est quoi ce délire? Le mec il commence à mourir de crise cardiaque. Sérieux toi? Les mecs ils font au meurtre. Ça c'est normal encore. Ouais mais ils font rien d'autre, ils réagissent pas, ils courent pas, les gardes viennent pas, enfin c'est. C'est pas marrant. Ah ouais. Voir, je les ai tous tués. Oh ah non, ils sont tous sur Mercurio, c'est vrai. Ouch! Ah non, ça! C'est un soldat sombrage, ça! Qu'est-ce qu'il fout avec le bâton de Mercurio? Oh oui! Moi, je te propose le fait qu'il a tué Mercurio et qu'il a chopé son bâton. Pas possible, Mercurio est censé être invincible. Ah non, il est derrière moi, c'est bon, il est vivant. Oh, que s'est-il passé? Voilà ce qui s'est passé, gamine! Non, t'as tué une gamine. Ouais, un peu, faut juste pour te faire rager. Parce que toi, tu peux pas.
T'as qu'à voir. Oh merde, y a les gens qui sont arrivés. Bon bah j'y vais. Ah non, okay. Non, j'ai rien dit, non, c'est pas, ils sont pas arrivés. D'accord. Ah juste dans le truc bonus. Garde mon petit bonus. Tu vois, pour commencer la vidéo. Ouais. C'est ça. Ah le pire. Franchement, je sais pas. Oh, oh c'était moche, classe. Des couilles de 4 gîtes. Oh, c'était classe ça. C'était beau. Franchement, je viens de me retrouver en face d'une paire de couilles de 4 gîtes. C'est pas très beau. Eh, mais attends, j'y pense. Il est où le guerrier né là, Idolaf? Magie. Cri. Aura de perception. Lars. 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 Comme un prédateur. Ça va chier. Ça a rien de courir. Jensen l'acolyte. Plus personne pour s'occuper de la nécropole. Venez donc. Allez, tape, tape, tape. Oh, vas-y, bec de merde. Elle est où la vache? C'est où la vache? Lars! Hop, le chien avait tombé. Vous avez gagné! J'arrête! John Guerrier né. Oh, comment il a été catapulté en arrière! Séquence pétage de plomb. Allez, venez vous battre! Eh, c'est Ulfric guerrier. Ça, c'est le calme direct, avec un coup d'épée dans le ventre. Oh. Ah, ils font mal ça avec les haches à deux mains. Voilà. Wow. Mission. Souffle ardent. Ouais, je remets, c'est pratique. Je crois que j'en fais un épisode à part entière à séquence bonus. C'est tout ce que vous savez faire. Je suis rentré dans une maison et il y avait un mec, enfin deux mecs. Hey Flo, je suis devant un mec, d'un seul coup je passe derrière lui et je l'empale. Ah, ouais, je suis rentré dans une maison, il y avait deux mecs. Et tu sais, ils avaient là les grosses cheminées là comme ça. Ouais, ouais. Enfin les gros trucs où tu mets des choses à cuire dessus. Ouais. Et t'as le sol. Et le sol, il est plus bas. Et les mecs, j'ai passé le cadavre parce que je voulais le mettre dans le feu quoi, pour déconner. Et en fait, le cadavre, il est passé en dessous. Tu vois. Ce qui fait que tu vois le cadavre qui dépasse à moitié dans la cheminée. Il m'attaque avec quoi ce mec? En fait, si tu veux, j'ai mis des mecs à cramer. Vas-y. Eh, le type, il a un espadon de fou. Il fait trop de dégâts. Ça existe, c'est un espadon de fou. Non, mais il fait super mal son machin. Et en plus, elle est rapide, elle est fine la lame. Je crois que c'est une arme venant d'un DLC. D'un mode. Ouais, d'un mode, n'importe quoi. Attends, je vérifie. Ah, il avait une. Ah, d'accord, il avait utilisé l'épée bâtarde de qualité. Oh, elle est de fou, elle est pas très puissante. Toi, oh, t'arrives seulement maintenant. Oh, prends ça, la bonne. La quoi? Non, mais la bonne, dans le sens la femme de ménage. Ah. Okay. Le mec, il me dit arrêtez de bouger, hey, on est ennemis. Je suis en train de massacrer tout le monde, je crois que je vais m'arrêter. J'ai l'impression d'être Godefroy de Montmirail dans les visiteurs. Je suis entouré de mecs avec des boucliers. Lui invincible, vas-y. Et je vous avoue que là, c'est spécial pour la vidéo, je suis allé plus loin que quand je le faisais tout seul.
Autant on fait plus de bourdes en vidéo, autant on est vachement meilleur. Toi aussi t'en veux. Toi aussi, hein, vas-y, vas-y. Ah mais c'est d'accord, il y a le mage à dessous qui m'envoie des balles, des boules de feu. Je vais dire des balles de feu. Oui, Vika, bien sûr, Vika. Potion, potion. Putain, elle commence vraiment à me saouler, cette initiée de la confrérie noire encore. Quand il s'est pas tiré avec ses boules de feu. Mais dégage toi. Ah dommage, j'aurais bien aimé le finish. Et j'adore casse-tête là, le guerrier là. Il a trop pas de résistance. C'est genre le mec qui déboule avec une hache à deux mains mais il prend trop cher. Donc en fait le truc c'est de massacrer autant de gens que possible sans crever. Donc je mettrai seulement les 15 premières minutes en ligne. Hein. Après c'est souvent à mon avis. Sauf si vraiment c'est mémorable, je mettrai quelques séquences de plus. Ça fait combien de temps qu'on fait la petite séquence bonus là? Oula, je sais pas. Encore on doit aller rentrer dans les baraques, tuer les gens, tout ça, les traquer, les tuer, ce genre de petits trucs, parce que j'ai pas vu le cadavre du dernier guerrier né là. Je l'ai pas vu. Il y a encore du monde à tuer. Je suis un gros malade avec son épée quoi. Ouais, elle joue toujours casse-tête derrière, mais vu qu'il est en deux coups il est mort, c'est ça. Ah bah oui les compagnons, on va les affronter tiens. C'est qu'ils sont invincibles. Ah merde ouais, c'est vrai. Et en plus ils ripostent pas. C'est pas marrant. Ah bah d'autres gardes. Pff, ce garde là il est mort en deux coups. Soldats sombrage, bah purée, ils sont encore plus moisis que les gardes originaux de Blanche Rive. Et ils ont réussi à gagner ça le tueur. Et alors chez moi dans, tu vois, tu rentres dans l'écurie de Blanche Rive chez moi. Tu vois la genre de grosse cheminée et cuisine, t'appelles ça comme tu veux. Et quand tu regardes de près, tu vois un cadavre à moitié enfoncé dedans, tu vois, t'as plus les jambes, mais et à moitié posé dessus le reste du corps. Et tu vois le dos d'un autre mec qui est complètement enfoncé dedans, tu vois. Limite il est sous les cendres et tout. Donc en vrai, tu te dis, mais qui peut bien être le cannibale qui habite ici? Eh mais purée, il y a Gris Toison qui me course après. Course. Oh non, pas ça. Un coffre en expert. Moi, je suis entré dans l'auberge. Ça va être une boucherie. Que déjà, toi, le barbe. Ok. Moi, je devrais avoir fini d'ici 2 minutes. Ouah, la tavernière. Allez. J'ai tué la tavernière. C'est un personne qu'il faut jamais assassiner dans une ville. Parce que sinon, il n'y a plus d'alcool. Il n'y a plus de bière. Et pas de bière, pas de combat. C'est comme ça. Non, jure, on savait pas. Et surtout, on trouvera jamais de Dwemer. Parce que s'il y en a qui ont survécu, vu que c'est des nains, il faudrait de la bière pour les attirer. Et de la bonne. De la vraiment très bonne bière. Ah ouais? Ouais. Bon, alors le magasin, enfin la forge, apparemment, c'est... Enfin, l'armurerie, apparemment, c'est un nordique qui tient. Il me semble bien, il a une armure lourde et tout, donc on va le combattre. Usbert Ursguerrier, il s'appelle. Ursguerrier. Ah, guerrier né, tu vas mourir. Je vous cherche. Tu me cherches? Je crois que c'est bon. Une belle quantité d'or. Reviens ici, toi, le messager. J'ai cramé le messager. C'est à ton tour, guerrier né. Ah, dommage, j'aurais bien aimé un finish. Fin de me faire tous les mecs invincibles de la ville. Maintenant, on va sortir et massacrer les gens dans la pampa. Allez, dans 3 minutes, j'arrête. De toute façon, hein. Le but, c'est de mourir. Mais je suis assez dégoûté, personne m'a tué, j'aurais bien aimé.
que je crois que je sois dégainé impulsion pour tenter une faire une tentative de suicide. Dragon, déferlement, clairvoyant, blablabla, lit draconique, bon c'est de la merde. Objet, non pas objet, magie. Déjà il y a deux gardes derrière moi je crois. Si pourtant il était. Peut-être que je vais mourir. Vu comment ils sont en train de me mettre la loose. Les gardes des portes sont vachement forts. Ah ouais d'accord, il a aussi une hache à deux mains, d'accord, ça explique. Ouais qu'il était bouclier lui. Non, pas très fort. Je reviens dans 2 minutes. Ok, mais je pense que j'aurai fini d'ici 2 minutes. C'est la blague. Oh c'est bon, on a fini. Coup de marteau final. Bon bah voilà. Tu m'inviteras un groupe d'amis. Ok. Voilà, bon bah on termine là-dessus. Au revoir tout le monde. Merci d'avoir regardé cette session bonus qui est plutôt une session massacre. Et voilà, pas session bonus, cet épisode bonus. Allez.